Voilà, Zoé, bien sûr, c'est moi la voiture électrique, hein, c'est vraiment l'idéal, toujours hein, en agglomération. Vous allez battre des records d'autonomie, bien sûr. Hein. C'est sans arrêt des accélérations, freinages, et ce sont les ralentissements et freinages qui font que l'autonomie augmente. Et c'est beaucoup plus agréable à rouler en électrique en agglomération. Troyes fait partie des villes moyennes, donc la densité de population, le nombre de voitures, les feux tricolores, les stops, les aléas de la route, la conduite en ville, hein, tout le monde connaît. Donc ça, c'est le vieux Troyes, ici. Quand je dis ça, c'est la rue. Hein. Voilà, maison en pont de bois, en partie rénovée, pas toute. Ça, c'est un des plus vieux quartiers. Ici, vous avez le musée des Beaux-Arts. Cathédrale. On y arrive. C'est ici qu'il y a un grand incendie dans les années 80. Un quartier entier est parti en fumée. Je fais un petit peu d'histoire, hein, de la ville. Un petit peu le tour. Donc la cathédrale. Il n'y a qu'une tour sur la cathédrale de Troyes. Ils n'ont pas fini la deuxième, ils ne pouvaient pas. Ça serait cassé la figure. Circulation. Avant il y avait un parking, maintenant il n'y a plus rien. Alors vous avez encore des vieilles affiches, des enseignes de l'époque. Mais les maisons par elles-mêmes n'ont pas évolué à dire. Hein. Elles sont isolées, elles sont bien sûr, elles sont retapées, mais ça reste toujours dans le style de l'époque. C'est beau, c'est tout en dorure, feuilles d'or. De la feuille d'or pour décorer, ça ne pourrit pas, ça ne vieillit pas, ça ne prend pas la pollution. Et ça ne coûte pas excessivement cher. Je vais faire pareil sur les réseaux et je vais faire en feuille d'or, tiens.